Peuple congolais, basepeli makasi nenge président de la République abimisi gouvernement ya sika to bandi ete mikolo ezali koya mboka na biso Congo ekokende liboso biso awa to tomeli bino kaka bosali malamu tika to fongola basango na biso ya mokolo ya lelo ba jeune congolais ba mipesi pona kosalela mboka na nzela ya FARDC polobi babundela ekolo tolanda ba détail oyo na caméra ya Hervé Ngoyi. Arbitrage yango ebeta mi chiffre comme les prix. Nyonso bina na mpoza. Makoko na biso ataboye tokobange lokote. Bazali au total 151 jeunes mokoka. Oyo bandimaki ko répondre oui na appel ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona komettre fin na ba conflit teke yaka kasi bazui mokano ya kosalela mboka sous le drapeau national na kati armée ya mboka. Boyeba ke Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atindaki sur place Monsieur Jean-Claude Molipe oyo azali bongo vice-ministre ya intérieur, sécurité, décentralisation paix affaires coutumières et longona madame Nana Manwanina ministre près le chef de l'État oyo bayaki awa na kati ya camp Kibomango na commune ya Nsele pona kosolola na bilenge oyo pe kopesa bango message ko uta na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi koloba na bango ke balanda te ba makamu oyo ba tireur de ficelle bazali kotinda bango basala kasi babu na nde pona kimia ezala na kati ya mboka Congo. Na mikro ya magazine Cash ba ebeti, boyo kanenge, ba membre ya gouvernement mibale oyo ba beta ki sifle pona kobimisa nyonso na poisa. C'est comme vous avez remarqué déjà, c'est la troisième vague des enfants que nous sommes en train de récupérer à partir de la mission de la pacification qui est instituée par le chef de l'État, le président de la République, dans le Grand Bandundu. Ces enfants sont aujourd'hui au nombre de 151, comme la ministre après le président de la République l'a dit. Aujourd'hui, ils partent vers Kamina. Et je pense que nous sommes en train de vivre ça maintenant ici dans les camps de Kibomango, comme vous voulez dire. Sont maintenant à la disposition de l'armée. Ce sont ces enfants qui ont accepté de rallier les forces armées de la République démocratique du Congo pour travailler sur les drapeaux nationaux. Et je pense que aujourd'hui, nous vivons déjà l'impact de cette mission qui est instituée par le président, qui est en train d'être maintenant matérialisée avec la paix, avec la restauration de l'ordre public qui est en train d'être restauré maintenant à partir de escadrons de la police qui existe maintenant sur le terrain, qui prend la relève. Et voilà. C'est l'appel du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a besoin de tous ses fils dignes qui sont prêts à travailler pour la nation. Ils ont accepté volontairement. Ils sont ici parce qu'ils l'ont accepté eux-mêmes. Sans contrainte. Oui, la paix règne. La preuve, c'est que déjà les déplacés commencent à regagner leur terroir. Nous sommes en train de travailler également avec le ministère des Affaires sociales pour essayer de voir comment les réinsérer. Donc la paix est vraiment en train d'être restaurée dans ce milieu-là. Je pense que comme demande auprès de la notabilité du coin, nous souhaitons vraiment que les tireurs de ficelles rejoignent les camps de la raison, qu'ils appuient positivement la mission du chef de l'État. Parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui continuent à appeler, à instrumentaliser. Et à ceux-là, nous leur demandons de viser et de travailler sur l'intérêt supérieur. Tous ces enfants sont des Congolais, cette population est une population congolaise. Si tous nous pouvons travailler dans le sens de protéger nos frères et sœurs, ça irait mieux. C'est vraiment une demande que les politiciens qui peuvent se retrouver derrière réalisent que nous avons besoin de la paix. Bon Simba pe boyeba ke si maya masolo na bango Jean-Claude Molipe na nana Manwanina bayeba ki pe ko superviser débarquement ya 151 jeunes volontaires oyo ba kokende bongo na base ya Kamina et sika wapi ba kozwa formation et kuba na kati ya armée ya mboka yambo ete bati na bango na est ya République démocratique du Congo pona kobenga na monguna oyo azali Rwanda na sima ya M23. Comme on est la mort, comme on est la vie.
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.